Ça tourne. Je suis célibataire, 06 blablabla. Oh là, bonjour. Ça y est, ça nous fait l'intro là. L'autre, il est célibataire. Ouais, salut à tous et bienvenue dans quoi ? Dans un Nuclear Game assez spécial parce qu'on ne va pas jouer à la console, nous allons jouer à un jeu de société. Quoi ? Je suis avec Marcus, oui. Thémis, Flo ouais. Et le créateur, l'idée originale du jeu de société, Tattoo. Oui, on va vous présenter ce jeu. Voilà. Notre bébé. Une bière. Vas-y, fais péter. Alors voilà, c'est un petit dimanche. C'est un petit dimanche, on est tranquille, donc ce qu'on va faire, c'est qu'ils ne connaissent pas les règles, on va les laisser découvrir. Donc moi je vais juste filmer, Tita est en jeu, il connaît les règles bien entendu, c'est lui qui l'a créé. Mais du coup voir si c'est compréhensible et tout ça, voilà, toi-même tu sais. C'est une bêta fermée. C'est parti pour la première partie officielle du Nuclear Apocalypse. Oui. Un zombie s'approche de votre base pour vous dévorer. À chaque tour, il avance. À chaque tour, il avance d'une case vers le centre. Mais vous choisissez sa trajectoire pour préparer votre défense. Une fois que le zombie est devant votre base, un deuxième zombie s'approche. Qui sera le dernier survivor ? C'est pas moi. Et bien, on va commencer la partie pour savoir. Rebaisse les bras, s'il te plaît. Donc, pour ce jeu, nous avons. Une petite boule rouge, c'est un astéroïde. Je vais vous expliquer à quoi ça sert après. Tiens, je te le laisse. Non, oui, je déconne. On a Instant Kawaii. Oh, il est beau. Menteur. Putain. Ok, moi j'ai rien bité. Ok, allez, on va faire un petit tour voir le placement donc de Tita. De son jeu, donc l'homme masqué, Roika, ok. Le jeu de tennis. Oh, double moite-moi, ok, dès le début, ok. Le blondin. Voilà son jeu. Montre pas mon jeu, c'est personnel. A savoir que du coup, voilà, vu qu'il y a le tourni, ça peut être la merde. Et ouais. Non, regarde pas. Et le jeu de Marcus. Ouf, lui, là, les ok, sa base, donc la base qui est au milieu. Ok, donc ça. Voilà. Exactement. Et tout un briquet. Et oui. Et maintenant. Le zombie avance d'une case au choix devant lui, donc à gauche ou à droite. Moite-moi. Donc on a dit que moite-moi c'était qui s'est caché. Je prends les trucs dessus. Ouais, ce sera plus simple. Tita, tu es le maître du jeu. Alors, je vais le mettre. Moite-moi qui fait partie d'Unité Fox. Vous choisissez la prochaine direction du zombie d'un adversaire. Donc un des trois, tu leur diras, toi tu vas à telle case. Donc à Tita, Blondin ou Doug. Qui Doug. Me filme pas de profil, s'il te plaît. C'est pas ton bon profil. C'est pas mon bon. Alors, c'est quoi ton bon profil quand je suis dodo? Ben ouais, voilà, j'en ai pas, j'ai pas abonné. Toi. À moi? Ouais. Sur laquelle? Heroica ou l'homme masqué? Tu as le droit de demander ce que font les cases. Ouais, voilà, ça fait quoi, les cases. Alors, l'homme masqué, il peut vous aider. La prochaine case d'un adversaire au choix n'aura aucun effet. Ou, Heroica, vous êtes un super-héros, recevez une brique. Non, pas toi. Mais si, tu m'as dit, moi, c'est trop tard. Mais non. Si. Bon, ben, Heroica. Ça a protégé Heroica, d'accord. On m'entend pas là. Si, si, je peux parler. Heroica. Donc à moi, je mets déjà une brique. Voilà. Obligé d'aller sur Heroica et du coup je gagne une brique. C'est ça. C'est bon, t'en as déjà une la théorie. Oui, mais il en a une deuxième, tu l'as. Et oui, il doit recevoir une brique. Maintenant à toi. À Blondin. Donc je fais quoi là? Là tu choisis un petit ou qui dort. Tu as le droit de demander ce que ça fait un des deux. Vas-y, dis-moi ce que ça fait parce que. Pour qui dort. Alors je tiens à remercier Bobby et Nono pour ma gueule d'aujourd'hui. Et c'est de votre faute si je suis au ralenti. Merci Nono et Bobby. Alors. La case Okidor. Okidor est énervé. Il détruit une brique d'un adversaire au choix. Ouais. Ou la case NGI. Un fantôme vole une brique d'un adversaire pour vous la donner. Ah bah c'est trop bien. Hop. Attends, du coup, tu te mets. J'en prends une aussi. La brique avant. Du coup, il m'a volé une brique. C'est un point. Oui. À toi, l'ami.
Marcus, Doug, tu choisis entre l'homme masqué et moi. Sachant que c'est toi l'homme masqué, en vrai. Arrête, fille pas mon profil, j'aime pas. L'homme masqué. Attends, déjà, je te donne une brique. Oui. Merci. Il peut vous aider. La prochaine case d'un adversaire au choix n'aura aucun effet. Là, je dois choisir n'importe qui. Entre nous, qui c'est que tu choisis? Alors, je t'ai toujours beaucoup aimé. Et moi, je suis ta sœur, ok? Ton sang. Et moi, je suis ton beau-frère. Lui, il est arabe. Ouais. Bah, écoute. Oh, ça, c'est raciste. C'est raciste, putain. Je crois que j'ai à quoi bonner, je vais y aller. Marcus. Attends, je t'ai fait ta tête et tout, c'est moi qui l'ai fait. La vérité, hein. Franchement, la vérité. N'oublie pas que, j'ai fait un couscous tout à l'heure là. Le blondin. Putain. Il a deux briques. Chita, il va te la mettre. Il a deux briques. Ah, mais je suis ton copain, toi. Et alors, t'as fait un bon sa gueule. J'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Bah, allez. Je t'enlève ça. Non, je sais pas. Ouais, mais du coup, prochain tour, j'ai rien. Moi, j'ai le masqué ou ça. Je vais faire chier un peu Marcus. Putain, direct raciste. T'aimes pas les blancs, c'est ça? C'est qui? Babtou fragile. Choisis quoi entre ces deux cadres, entre je vais le mettre là. Game. Je serai obligé d'aller là. Donc ça veut dire que vous avez tous changé de place. Faut que moi j'aille là. À tous. Ouais, tous. Tous. D'accord. Ouais. Ah. Ok. Alors la brique. Marcus. Premier tourni. Voilà. Hop. Et là on tourne de place. Allez. Mais non, moi. Si si, toi aussi. Tout le monde. Tout le monde. Mais non. Non, t'as pas le droit. Si, remets, je prends ma brique et c'est non, là. Non. Remets là. Putain, c'est pas voilà. L'astéroïde. Oui. L'astéroïde, donc s'il touche une brique, elle dégage du jeu. Allez. T'es touche pas. Ouais, non, ne meurs pas. Ça va être chiant, toute la vie. Le moment de pression, oh, là il va toucher ses briques. Ta-da, ta-da. Banzai. Eh non, l'astéroïde est donc passé à côté du camp. À côté, quoi. On peut pas recommencer. Encore? T'as déjà eu un essai, tricheur? Oh oui, fais du vin. Aucune preuve. Fais du vin. Devant votre base, vous ne recevez plus de briques comme en début de tour. Non. Mais votre zombie en enlève une. Ouais. Ah, c'est une blague. Placez à ce moment-là le deuxième zombie en case de départ afin qu'il commence son trajet. Donc on enlève une brique. A chaque tour maintenant vous en enlevez une. Parle lentement. Attends, pas maintenant. Je ne comprends pas. Là c'est à mon tour. Blondin. Hop. Oh non. Mais toi t'es. Oh non. Allez tourne. Mais je peux pas. Blondin il est pas bien. Deux briques. Deux fanées. Allez. Et l'astéroïde. Apocalypse. Allez. C'est chaud. Olé! J'ai cassé les trucs. Il a détruit le zombie. J'ai tapé des trucs mais pas du tout ce qu'il fallait. C'était le zombie. Oui. Je réfléchis là lorsque c'est tendu là. Mais non, écoute. C'est de la logique là. Grave. Est-ce qu'il va bien jouer? Eh ouais, ah bien joué. Comme ça il se retrouve toujours avec deux briques, nickel. Eh ouais, avec toi. Alors. Je te jure, je te déteste. Je vais prendre Heroica. Hein. Heroica, attends, déjà, mais tu gardes. Bah du coup je garde. Et puis voilà, fin. À toi, l'ami. Marcus. Tu lèves une brique. Ou il faut lever une brique. L'homme masqué, rappelle-moi, je dis putain. L'homme masqué. Je sers pas à grand chose, mais. La case d'un adversaire au choix n'aura aucun effet. Mais là, vu que c'est bientôt la fin, je prends Heroica, représente. Du coup, voilà. RPZ. Bébé, je suis désolé. Tu as perdu Sorette, putain. Oh oui. Mais rien n'est fini. Rien n'est fini. S'il y a un tourni, et s'il y a un morte de décès. Ah ou. Et si admettons il y a tourni, ah ouais, un tourni du coup tu meurs. Tu prends la place du. Ouais, mais là il y en a plus des tournis. C'est nul, coup... franchement c'est ta faute. Ah mais le zombie arrive. Et toi tu t'as. Au revoir. Voilà. Toi aussi pareil. Tu es mort. Et donc le gagnant est. Snoop Doggy Doo! Oh, oui. C'était sympa, cool. Ouais. Après, abonne-toi et achète-le! Ouais! C'est ça. Et venez nous voir à Avignon! Et regardez Heroica! Popopo!